Ok, bien salut à toutes et à tous. Du coup aujourd'hui on est là pour une petite vidéo unboxing pour bien évidemment comme vous pouvez le voir depuis cette caméra les Elgato Keylight. Depuis cette caméra ce sera un autre petit plan, mais je vous montre comme ça. Donc là j'ai une autre boîte comme vous pouvez le voir, je m'en ai pris deux parce que c'est super cool d'en avoir deux je pense. Et j'ai aussi acheté le Multimount, donc le bras flexible, un accessoire à part. Et voilà, on va vous montrer ça tout de suite, enfin je vais vous montrer ça tout de suite après le petit jingle. Ok, aujourd'hui, alors ce qu'on va faire, on va juste placer cette petite caméra là en attendant. Donc aujourd'hui on va s'occuper des Keylights. J'ai aussi commandé le green screen de chez Elgato que je reçois dans un mois par là, pas encore. C'est en rupture de stock. Mais aujourd'hui, je vais avoir enfin des éclairages la journée. J'ai deux panneaux LED qui sont pas mal, mais c'est à dire que ceux-là seront vraiment meilleurs et je pourrais mieux les positionner. Et je pourrais faire de vidéos, on va dire, de meilleure qualité, des streams aussi. Donc on va ouvrir ça tout de suite et let's go hein. Là vous me voyez pas très bien avec la grande caméra, on va juste ouvrir. Donc là ce qu'on va faire, on va enlever le petit scotch qui est juste ici. Voilà, on ouvre ceci et on va aller gentiment. Donc je crois que je ne l'ai pas dans le bon sens du coup. Voilà, comme ça. Faut que ça soit bien du bon sens. Et on va sortir ça tout de suite. On va sortir ça gentiment. Ce que je vais faire, c'est que vu que la table elle est assez petite, parce que c'est pas, je suis pas sur mon bureau, le bureau elle est là. Là c'est une petite table. On va sortir gentiment ceci. Et voilà. Alors là, ce qu'on a. Première chose, on a une petite notice, j'imagine, où ça explique un petit peu tout, voilà. Petite notice comme ça, que ça doit expliquer comment faire. Donc je crois que ça c'est plutôt les instructions, on va mettre de côté. On a ici une petite boîte que je vous montre ici. Voilà, une petite boîte qui a l'alimentation, donc ce qu'il faut brancher, donc il me semble. Donc ça c'est, ah oui, ça c'est pour fixer, bon ça on regardera. Ah non, ça c'est les prises, au cas où si on a des prises, ça c'est, ouais, c'est pour les prises. On va mettre ça de côté en attendant, juste ici. On a montré donc l'alimentation. Ici on a le boîtier, l'alimentation qu'on branche à une prise en fait. Tac. Ensuite on va, bon, on va directement attaquer par là. On va sortir, on va mettre petit à petit comme ça. On va sortir la bébête, enfin la boîte plutôt, de la boîte. On va sortir la boîte de la boîte. Voilà. Comme ça. On va gentiment, parce que j'ai pas envie de tout faire tomber, donc je prends mon temps. Et voilà. Et là, 3, 2, 1, et là on est bon. Là on peut tirer. Voilà. Donc on a rien d'autre. Donc voilà, la boîte, on va la mettre juste ici en attendant. J'espère que vous la voyez pas. Hein. Ok. On va commencer par. Dans l'ordre. Hein. Comme ça, on va sortir ça. Ici, je vais vous montrer, c'est le pied. Donc le pied. Ensuite, je vous montrerai l'unboxing du Multimount. Donc ici, on a le petit pied, on va le sortir de sa boîte, c'est ce qu'on fixera au bureau ou n'importe où, mais moi je le fixerai pour ma part. Il y a le bureau, tac, voilà. Ok, alors comme vous pouvez le voir ici, c'est comme une manivelle, mais je me rappelle plus du nom, je suis désolé. Ici vous pouvez le voir, qu'on met au bureau comme ça. Ça, on se met comme ça. Moi je vais les mettre dans les deux coins du bureau, comme ça il y aura deux lumières, parce que le problème de maintenant, quand je fais des vidéos ou quoi que ce soit, c'est que j'ai un éclairage sur la caméra et je mets jamais l'autre. Là exceptionnellement j'ai mis sur un autre pied, que j'ai deux trépieds maintenant, c'est cool. Et voilà. Donc voilà, ça c'est ce qu'on mettra sur le bureau. Je vais vous montrer comment on utilise, mais il y aura une autre vidéo où je montrerai l'évolution de mon setup bureau. N'hésitez pas à aller la voir, elle sortira d'ici quelques temps. Où je montre comment j'ai fixé tout ça, etc. Là je vais vous montrer juste une revue, montrer comment ça se passe et la qualité, etc. Donc il y aura une vidéo dédiée, on va dire, à comment je le place sur mon bureau. Donc ici on a bien sûr ce qui est important. Alors ici on a, donc moi j'ai pas pris les Elgato Keylight Air. Bien voir qu'ils sont assez gros les panneaux LED. Par rapport à cela, je vous montrerai après à la fin de la vidéo si vous voulez un comparatif avec la taille d'avant. C'est un petit plateau comme ça qui est assez grand, regardez, par rapport à ma main. Voilà, là on va mettre, là on va sortir ça maintenant. Tac. On va mettre la petite caméra ici. Ce sera meilleur. Donc voilà, ici on a le Keylight qu'on branchera, que je vous montrerai. On peut voir ici, je vous montre depuis là, donc j'enlève les lunettes, sinon il y a les reflets. Ici on peut voir l'interrupteur, enfin pour mettre on, off, on, off et reset, donc ouais pour le reset. Ici c'est là où on branche, donc là, c'est là où on branchera le câble, etc. etc. Ensuite ici en dessous on a la partie pour le mettre sur le support. Donc, on peut voir que c'est un petit rond, on tourne comme une... De toute façon je vous montrerai.
Et ça, ce que je vais faire, c'est que je mettrai sur les coins comme ça, devant moi, tac, tac. Et je trouve assez pas lourd, mais disons que c'est. C'est-à-dire que ça fait son poids et ça doit faire son taf surtout. Donc voilà, là je vous montre ici, je mets ça ici en attendant. Et on va construire ça. Et de toute façon, je vais pas les placer sur mon bureau aujourd'hui, on va les placer ici dans celui-là pour vous montrer. Donc là j'en ai ouvert un, je propose qu'on ouvre le deuxième quand même. Mais avant d'ouvrir le deuxième, je pense que je vais juste vous parler du multimonde. Du multimonde qui est ceci, en attendant. Parce que bon, je pense que c'est vrai que je vous refasse l'unboxing de l'autre, vous avez vu comment c'est. Je vais vous montrer maintenant le multimonde. Donc je vais remettre mes lunettes parce que je vois rien, je suis aveugle. Le multimonde va nous servir à quelque chose. C'est que c'est un bras flexible, comme ça, tac. Je sais pas si vous me voyez très très bien, je suis désolé si vous me voyez pas très très bien. Mais le multimonde, c'est ça. On ouvre la boîte et on a plusieurs petites parties. Comme ça, voilà. Des plus petites, moyennes et une autre petite. Donc ceci, ça va nous servir pour assembler le multimonde. Donc c'est-à-dire que là, pour ça que je vais vous montrer, je cherche un petit truc pour vous montrer. Voilà, ici. Là, on pourra mettre nos keylights ou nos micros ou encore notre caméra. Et ça restera comme ça. Ça reste à la verticale, donc ça bouge pas. Il y a peut-être le haut qui peut bouger, là, tac, mais sinon ça bouge pas. Mais grâce au multimonde, les gars, c'est un truc extraordinaire. Je pourrais mettre comme ça la première patte et l'autre comme ça. Et du coup, mettre ma caméra là, comme ça je pourrais faire des unboxings vus du haut. Et c'est pour ça que j'ai acheté le multimonde, c'est pour faire des unboxings de meilleure qualité pour les prochaines fois. Donc voilà, c'est le multimonde. Je vais assembler tout ça, je pense, juste après. On va juste faire un petit test de cet éclairage dans un petit instant. Donc je fais une petite coupure et on se retrouve dans un petit instant pour le petit test du Elgato Keylight sans le multimonde pour le moment, juste en mode normal, basique. Et là désolé si la qualité est moins bonne, c'est que j'ai pas allumé les autres éclairages. Je suis en train en ce moment même de fixer ceci. Comme vous pouvez le voir ici, on peut monter encore plus haut. On peut aller très très haut, hein. Franchement c'est super cool. Et là ce qu'on va faire, maintenant on va placer la LED. Donc là je voulais vous montrer la comparaison de taille. Ça c'est les LED d'avant, je sais pas si vous m'entendez bien. Par rapport à avant, maintenant et avant. Ok, je viens d'installer la première keylight, la seconde, elle sera soit dans une autre vidéo ou soit demain, je place bien tout et je vous montrerai en fin de cette vidéo comment je mets les deux, parce que là j'ai pas de place de mettre deux éclairages sur ce petit meuble. Mais on va tester le premier, je l'ai installé via l'application, on peut le faire via l'ordinateur. Et moi ce que je vais utiliser, c'est que je vais vous montrer depuis ça ici, je vais utiliser le Stream Deck pour gérer tout ça lors de mes lives. Et là vous me voyez pas très bien, mais on va tester maintenant les Elgato Keylight en espérant que ça marche bien. J'ai installé l'application qui est ici, le Control Center, et on va tout gérer et on appuie sur ce bouton. 3, 2, 1. Je suis nul. Ok. Là, vous allez dire, on va mettre les lunettes, vous allez dire, mais c'est minable. Mais c'est normal, c'est Xiaomi. Et là, on va augmenter petit à petit. On augmente, on augmente, on augmente, on peut aller encore plus loin, 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 plus loin. Et là, vous allez dire, mais on ne voit pas bien. Mais c'est normal, mon ami, parce qu'il n'y a pas le second qui est là. Là, faut savoir qu'on a un seul keylight, donc c'est pas le meilleur choix, parce que cette caméra, le problème, c'est qu'elle va recevoir un côté de la lumière et l'autre non, du coup, ils vont ça va compenser, c'est pas ouf. Du coup, on se retrouve demain, ou dès que j'aurai installé les petits, les deux éclairages pour vous montrer à quoi ça donne. Quand il y a les deux keylights face à moi, mais surtout via ma webcam pour mes streams, comment la qualité va donner. Du coup on testera ça demain et on se retrouve donc demain pour la suite de cette vidéo pour installer les deux keylights. Allez. Ok, maintenant on va procéder au test. Du coup j'ai placé les deux keylights sur mon bureau, l'une de ce côté à gauche comme vous pouvez le voir ici et l'autre à droite ici. Donc voilà, on va. Donc désolé, il n'y a pas de micro non plus, j'ai pas activé mon micro, on va tester ça. J'ai déjà testé depuis, ça fait déjà 3 jours que je les ai placés. J'ai déjà tout testé. Si je vous dis que ça rend super bien, je suis satisfait de l'achat. On va tester ça maintenant en vidéo. Le problème c'est que cette caméra va vite faire des réglages un peu bizarres. Du coup on va croire que ça éclaire pas bien, mais ça éclaire super bien. Si j'étais dans ma chambre, là j'ai pas de lumière, juste avec ça, ça fait l'affaire. On va tester les deux, donc les couleurs chaudes, couleurs froides, luminosité au max et au minimum, comme ça on va tester. On va déjà tester d'un côté, comme ça pour ceux qui veulent acheter qu'un seul, je vous montre. Donc on va allumer un seul grâce à l'application Elgato. Tac.
Ok, là on est les couleurs froides, donc vous voyez cette partie là un peu sombre de moi. Là on est au minimum, donc là c'est le minimum de couleurs froides. On va augmenter petit à petit. Petit à petit, je regarde le retour juste pour qu'on regarde. Tac 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 tac. On peut aller encore plus lent. Là c'est le maximum, d'un côté. Couleurs froides, voilà. Bon, ma caméra elle va vite atténuer, c'est un peu bizarre, etc. Mais bon, ça c'est les couleurs froides. Maintenant on va aller à fond, couleurs chaudes. Donc là on s'approche des couleurs chaudes. Lumière normale, couleur chaude, tac 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 tac. Ok, là c'est les couleurs chaudes. Donc maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va allumer les deux. Donc on va éteindre de nouveau. On va remettre au minimum et on va faire maintenant avec les deux. Donc là on allume les deux. Donc là c'est les deux quand elles sont au minimum. On va continuer les couleurs froides en premier quand il y a les deux. Donc là on va augmenter la luminosité petit à petit. Tac 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 tac. Là on va aller au maximum, là on est à la moitié de la luminosité. Là, tac tac tac. Et là on est au max. Ok, là on est au max. Donc ça éclaire super bien, on dirait pas à cause de cette caméra qu'elle les réglages, parce que je suis en automatique aussi, c'est pour ça. Du coup mais ça éclaire super bien. Toute ma chambre est éclairée grâce au Keylight. Ça éclaire super bien. Maintenant on va tester les couleurs chaudes. Alors ce qu'on va faire, on va faire comme ça. Tac tac tac, on augmente petit à petit. Paf 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 paf. Voilà, et là c'est les couleurs un peu plus chaudes, comme ça. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aussi faire un petit test avec ma webcam pour les streams, comme ça je vous montre. Mais moi ce que je ferais, c'est ça, je vais mettre un où on le laisse normal, dans couleur froide, et l'autre couleur chaude. Comme ça, ça atténue, ça fait un petit côté un peu... voilà quoi, et je pense que je baisserai à peu près comme ça, peut-être. Voilà, bon bref, je pense que je laisserai comme ça. Et ce que je ferais, c'est que vu que cette caméra, elle a un focus assez mauvais sur la luminosité derrière, et devant comme ça, donc je vais rajouter d'autres LED, d'autres spots que j'avais avant. Quand je fais mes vidéos, je les mettrai sur un trépied comme ça pour que ça me filme. Du coup voilà. Ok, du coup là maintenant je vais utiliser ce micro là pour la vidéo. Et là je suis avec ma Logitech C920, du coup on va refaire la même chose. Là c'est noir total dans ma chambre. Et on va allumer petit à petit, donc je vais en faire encore avec un. Donc un, là c'est un seul au minimum, couleur froide, on augmente. Ça va vite, hein, ça va très très vite. Du coup là en fait il y a la mise au point. Du coup là je dois faire un petit test, ça va régler petit à petit le truc. Mais voilà. Bon, ce que je vous conseille c'est que avec de ne pas mettre à fond quand vous êtes tout proche comme ça, parce que ça fait des couleurs assez blanches. Mettez à fond quand vous êtes assez loin, genre comme ça, tu sais. Vous voyez, quand vous êtes assez loin encore ça passe quand vous mettez tout à fond. Mais quand vous êtes assez proche comme ça, c'est pas la meilleure des solutions. Du coup voilà, là c'est avec un seul, c'est déjà pas mal. Maintenant on va mettre les couleurs chaudes un peu comme ça. Donc là on va redescendre un petit peu. On va mettre les couleurs chaudes. Donc là c'est minimum couleur chaude. Ensuite on augmente aussi, ça va très très vite aussi hein. Donc voilà, là ça va, bon, la Logitech elle va faire les petits réglages pour essayer d'atténuer tout ça. Mais comme je vous dis, si je me mets à fond, mettez-vous pas près, mais genre assez loin, comme ça, vous voyez ce que je veux dire, et encore à la limite ça va. Mais là c'était que avec un seul. Maintenant on va allumer le second. Donc là on va refaire tac. Donc là il y en a deux qui sont allumés. Et on va augmenter, on va mettre par exemple comme ça. Donc je vous conseille par exemple pour les lives, pour avec la Logitech C920, de pas mettre au maximum, de mettre à peu près comme ça, au minimum. Là c'est vraiment au minimum, mais regardez ce que ça fait. Bon aussi c'est peut-être faut que je fasse les réglages de ma webcam encore, mais voilà. Là ensuite on va mettre la couleur au milieu, donc là une couleur assez blanche comme ça. Donc là ça fait comme ça. Et là on va finir par la couleur chaude. Donc voilà, là on termine avec une couleur chaude un peu comme ça. J'ai pas mis au maximum. Mais je vous conseille, en tout cas, bon, c'est peut-être ma C920 qui fait pas les bons réglages, mais ça éclaire super bien. Et là même un peu trop, du coup je vous conseille de mettre un peu au minimum quand vous faites un live avec la C920. C'est déjà pas mal comme ça. Et voilà, faut faire après des petits réglages, ça va vous gérer un petit peu avec votre caméra. Mais pour les tests, je vous conseille d'aller voir une autre vidéo que sur ma chaîne avec des gens qui ont des meilleures caméras. Ou une meilleure, enfin une webcam déjà peut-être réglée, parce que là c'est un peu pas vraiment réglé. Mais bon, voilà, c'était juste un petit test comme ça que je voulais faire. Du coup c'est franchement un investissement que j'adore. Parce que même quand je fais pas de vidéo la nuit, j'éclaire ma chambre avec ça en fait. J'allume plus la lampe d'en haut ou les petites lampes sur les côtés. J'allume ça tranquille, en mode chill, et ça rend super bien.
Donc voilà, ça va être la fin de cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like, de commenter, de partager. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Je reviens sur YouTube un peu en force parce que ça faisait 2 semaines que je publiais rien. Et là, je me mets encore à fond et à fond. Donc je suis content. Donc là, les réglages ne sont pas super bons avec ma Logitech C920. Faut que je fasse encore des réglages dans la webcam et encore gérer soi-même les petits éclairages sur les côtés. Du coup, voilà, n'hésitez pas à lâcher un petit like comme j'ai dit. Et je suis content de revenir sur YouTube petit à petit. Et refaire des streams très très bientôt. Donc à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. Et loin de 11 000 abonnés, on est si proche du but et ce serait vraiment cool. Et du coup voilà, c'était Danny. Ciao. Never had a wasted mind, had the time erect and rhyme, my corns gifted lines. The flows I know puts the papers in pockets, swings the things preserved in my sockets. A 10 spot, I got stacks of L.